C'est un chantier au cœur du lycée Jean-Marie Michotte à Cayenne. Ce complexe sportif est en cours de construction sur une surface de 1200 m2 des halls et des salles d'entraînement. Ici, il y a certes du béton, mais pas seulement, car cette charpente qui donne l'impression d'un nid d'abeilles est en fait un assemblage d'essence de Guyane composé d'angélique et de gonfolo. L'angélique, ça a été une demande très explicite, hein, qui fait partie en tout cas des pièces écrites. Donc c'est vrai que l'angélique et notamment le gonfolo sont assez demandées et très présentes, notamment en structure bois. C'est plutôt une obligation, mais l'angélique est présent dans nos forêts ainsi que le gonfolo. Donc on peut s'attaquer facilement à ce type de projet grâce à ces deux essences. 20 minutes suffisent pour fixer cette rame de résille de 800 kg chacune. Contre plusieurs jours, si la structure était en métal ou en béton, une matière bois qui colle aux exigences du maître d'ouvrage. En fait, cette charpente est une démultiplication de petites sections de bois qui permet de franchir des portées importantes, en gros, pour faire simple. Et donc, comparé à une charpente plus traditionnelle, entre guillemets, où on a des poutres moins nombreuses, mais plus épaisses et plus de volume, on peut faire à peu près l'équivalent. Une construction qui devrait conforter la filière bois en Guyane. La filière bois, c'est à peu près 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, 750 emplois directs, toute une chaîne d'entreprises qui passe du gestionnaire de la forêt à l'exploitant forestier, au transporteur, aux transformateurs que sont les scieurs, aux charpentiers, aux bureaux d'études, aux architectes, aux menuisiers. C'est tous ces corps de métier qui se mettent en action pour arriver à ce genre de prouesse. La charpente en bois de ce complexe sportif a été totalement financée par la CTG, une structure dont la livraison est prévue pour février 2021.